Regardez-moi très bien. Je suis la poutine des réseaux sociaux. Vous avez capté ou pas? Tranquille. Et la poutine se repose quand elle-même décide de se reposer. Donc tapoter. C'est pas trop petit, quatre petites poclées naïo dans leurs commentaires qui vont penser moi m'effrayer. Je suis la lumière. C'est moi, je dis allumer la télé. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez capté ou pas encore? Tapoter. Vous avez capté ou pas encore? C'est de ça qu'il s'agit. C'est moi qui dirige mes lives et personne d'autre. Tapotez mes bébés. Oh non, je suis belle. Oh. Aboutou. On peut être belle comme ça. Tu as 5 enfants et puis tu es belle comme cela. Aïe, dame. Tapotez, s'il vous plaît, mettez les cœurs. À 100 000 cœurs, je vais commencer à parler. Tranquille. Je vais voir les cœurs monter. J'ai envie de... Non, quand je mets les chansons, ça me distrait un peu. Tranquille. Merci pour les cadeaux, mon bébé. Je veux voir les 100 000 cœurs et que ça monte toujours. Tranquille. Vous savez, c'est la paix. Hein? Mais dans la paix aussi, on avance. J'ai vu mon bébé Kimi. Bon, je savais déjà qu'elle allait faire son live. C'était déjà tout préparé. Faire son live dans la paix du Seigneur. Avec les crickets. Je vous pose la question. Quand vous avez regardé ma nièce, qu'est-ce que vous avez vu? Une fille posée, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Posée et tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. D'abord, il faut dire que moi, je ne sors pas pour venir parler parce qu'il faut parler, hein. Je sors pour venir parler en fonction de ce que mes yeux ont vu et de ce que mes oreilles ont entendu. C'est comme ça, ça est. Et je parlerai quand j'ai envie et comme je veux. Il n'y a personne qui pourra me freiner dans mon élan. Je suis une jaguar. Personne ne peut m'effrayer dans mon élan. Même pas le général Camille Makosso. À plus forte raison, qui que ce soit. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis sorti pour venir parler. Parce qu'il y a eu un manque de respect public. Il y a eu un manque de respect privé. Vous m'avez vu sortir pour venir parler. Au brunch de Kimi, jamais. Mais une fois qu'il y a un manque de respect public, je règle mes comptes publiquement. Parce qu'il n'y a rien en face. C'est de ça qu'il s'agit. Je le dis et je le répète. Il n'y a rien et il n'y aura rien en face. C'est Lolo Beauté qui fait le son et puis tout le monde danse. Hier, j'ai parlé. Dans mon direct, il m'a été ramené que papa n'a 27 ans, s'est mis en direct. Tu sais, petit, je t'ai toujours dit que ton ange gardien est resté bébé. Mais on dirait que ton ange gardien est encore fœtus. Tu sais, ton live que tu as fait hier, j'ai venu montrer encore les failles. Je serai toujours là pour être un obstacle pour toi. Si dans d'autres pays, tu as joué avec enfants des gens et que c'est ton processus, tu as touché là où on te dit
c'est pas fini. Ce que tu as chanté, chanson que tu as chanté, puis tu as dit stop, c'est pas fini. Au fait, fallait mettre Lolo Beauté en bas. Parce que moi, on n'avait jamais. Et tant qu'il y a un mensonge, une faille, je vais toujours sortir pour venir démanteler. C'est-à-dire déconstruire ta faille. Rien ne va se laisser. Tu sais, moi, tu sais pourquoi je viens de te déconstruire? Parce qu'on est star. Et puis on parle en star. La racaille récupère le reste pour se faire un nom. Tu sais, ton ange gardien est resté fœtus. Je vais te dire pourquoi ton ange gardien est resté fœtus. Tapotez-moi l'écran, s'il vous plaît. Et puis mettez les cœurs. Merci pour les cadeaux. J'ai dit tapoter. C'est de ça qu'il s'agit. Les personnes qui disent que Tata Lolo Beauté ne suis pas en classe. Je suis en classe. Je ne me laisse pas distraire. On m'appelle la déconstruction. C'est moi qui suis assise là. Petit, tu penses que nous sommes dans un théâtre, dans une comédie. En fait, si tu ne respectes pas tes abonnés, je vais t'apprendre encore ce que c'est que le respect. Parce que tu ne sais même pas ce qu'on appelle le respect. Quand tu sors avec un lourd maillot ivoirien, venu présenter les excuses, tu ne reviens pas encore en attaque. T'as capté ou pas? Je vous ai dit ici que ces excuses n'étaient pas sincères. Et tu as démontré par A plus B que tes excuses ne sont pas sincères. Au fait, tu te fous de tes abonnés. Au fait, tu les marmailles. En fait, de toutes les manières, je n'en ai rien à foutre de tes abonnés. Mais une fois que tu prononces, tu parles de manière si je sors sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu prononces le nom, tu ne vois pas que depuis là, ma nièce même ne te calcule pas. Tu n'as pas honte. Tu ne vois pas que depuis lors, ma nièce même ne prononce même pas ton nom. La petite te montre ce qu'on appelle être la reine des réseaux sociaux. Elle ne te calcule même pas. Si moi je sors pour venir faire mon blog, je suis responsable de mon blog. Oui, tu donnes des informations à ta tata pour venir parler de toi. À ta place, quand tu regardes Kimi, elle peut se rabaisser à cette ratatouillage. Jamais. Tapotez-moi l'écran. Je vais déconstruire ton direct d'hier. Parce que tu as vu que j'ai fait sortir les papos. Ça t'a doulé. Fallait que tu sortes. Et tu sors avec plein de mensonges. Petit, tu ne pourras jamais jeter Kimi à la verdict populaire. Et tu ne pourras jamais te faire passer pour la victime. Parce que dans ton live, il y a beaucoup de failles. On appelle ça un psychopathe. T'as capté? Tu fais ton direct d'hier. On va aller pas à pas. Et tu dis non. J'ai répété ce que tu as fait hier. Non, ne mettez pas les organes. On est dans la paix. C'est la paix, c'est la paix. Vous voyez? C'est la paix, c'est la paix. Voilà, c'est la paix. On est dans la paix. Oh. L'affaire est finie, on est dans la paix. Mais dans la paix là, il faut qu'on vienne dire certaines des choses. Tu dis à Kimi que Kimi n'a qu'à sortir pour venir dire la vérité. Tu te prends pour qui? Au fait, la fille t'a déchargé comme un colis suspect à la gare. Elle est en train de faire son travail. Elle ne te calcule plus. Elle t'a déjà montré comment on doit venir demander pardon aux gens. Elle est sortie en première, venue demander des excuses. Comme tu es vieux et que tu n'es pas sage, tu ne fais que recopier ce que Kimi fait. Tu n'es que l'ombre de Kimi. Tu sors après et tu viens présenter tes excuses. Derrière excuses là, il n'y a rien. Derrière excuses. Nous, là, on est des blogueurs, on est des influenceurs, on est des gentlemen. Derrière excuse, il n'y a rien.
Mais ton petit scénario que tu es venu jouer hier là, Kokimi, faut sortir pour venir dire la vérité. Ça, c'est déjà une fausse monumentale. Que non, hein, c'est la paix. Mais moi aussi, j'ai fait la paix, lui. Mais façon que lui, il a fait la paix. Et puis après, il est sorti encore pour venir dire Kimi n'a qu'à sortir. Là, moi aussi, c'est comme celle aussi. Je suis dans la paix. Mais je lui dis aussi d'arrêter de prononcer le nom de Kimi. Parce qu'elle, elle ne le voit plus. C'est de ça qu'il s'agit. On m'appelle l'exagération. Voilà. On m'appelle l'exagération. Tapotez-moi mes bébés. Sécurisez le live. On m'appelle l'exagération. De la même manière. Au fait, vous êtes des lâches. Vous vous cachez derrière les poclés naïo là. Pour vous faire un genre. Parce que vous ne pouvez pas affronter Tata Lolo Beauté. C'est ça la vraie vérité. Vous êtes des lâches. C'est ça qu'on appelle la lâcheté chronique. Tranquille. Quand oui, Kimi, il faut sortir pour venir dire la vérité. Tu penses que Kimi a ce temps-là? Tu crois que Kimi, elle a ce temps? Petit, on va aller dans ton sens. Parce que hier, je t'ai dévoilé. Tu es un enregistreur public. Au fait, quand tu dis dans ton live que heureusement que tu as récolté des preuves, sinon tu allais devenir fou. Au fait, c'est une manière de te blanchir. C'est une manière de dire aux gens que tu es un criminel. Parce que c'est les signes de la criminologie. Le fait d'aller enregistrer une fille et puis aller balancer ça à tes bourreaux, cela veut dire que tu es suspect jusqu'à la gare. Pourquoi je le dis? Tu pouvais venir enregistrer Kimi si et seulement si c'était la famille Makoso qui te dit. Disait, viens derrière notre enfant. Mais tu t'es levé gaillardement avec tes longs pieds. Baya, 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 baya. Personne ne t'a appelé derrière Kimi. Donc toi-même, tu t'es levé de ton propre gré. Tu t'es levé de ta propre conscience. Personne ne t'a dit, Axel, va derrière Kimi. De la même manière, tu poses question à Kimi, elle n'a qu'à sortir pour dire la vérité là. Moi, je te pose une question. Qui t'a envoyé derrière Kimi Makoso? C'est ça la vraie question. Parce que tu savais que la famille Makoso avait la large bouche. Les gens t'ont dit que la famille Makoso, leur affaire là, c'est grave. Les gens t'ont dit, tapoter l'écran. Que la famille Makoso là, rien ne se passe au hasard là-bas. Mais mon petit, la question que j'ai à te poser, on t'a mis une corde au cou pour arriver derrière Kimi? Ça c'est la première question. Parce que tu as réfléchi, tu as calculé, tu es très intelligent, tu as vu une petite qui pouvait t'apporter quelque chose. Tu as pris ton long, long pied là pour aller derrière Kimi. Est-ce que c'est la famille Makoso qui t'a envoyé derrière leur enfant? Oui ou non? Au lieu de venir dire, parce que tu ne peux pas, c'est-à-dire personne ne t'a envoyé quelque part, toi-même tu t'envoies quelque part et en même temps tu dis je récolte des preuves. Donc par rapport à quoi? Tu es suspect. En fait, je te dis que les personnes qui te conseillent là, ce sont des bouseux. Et puis toi-même, ton ange gardien, il est encore fœtus, il n'est même pas encore né. Voilà pourquoi tu commets des erreurs. La personne qui te conseille là, il faut changer. La personne là n'est pas intelligente, la personne est bête. Parce que tu ne peux pas dire, allons doucement. C'est à dire que je sors, toi tu viens mentir. Je sors derrière toi. Le jour où tu vas arrêter de prononcer le nom de Kimi, je ne vais pas sortir derrière toi. Le jour où tu viens mentir sur Kimi, je sors derrière toi. C'est la chaîne alimentaire. Tu dis que toi, tu veux la paix. Tu es pour la
excuses. Mais derrière l'appel, on ne vient pas encore pour essayer de poser question. On appelle ça foutaise. Ça ne prend que les gens bêtes qui sont sur les réseaux sociaux. Et je serai là pour déconstruire ça. Moi, je m'en bats les riquettes de ce que les gens pensent. Je suis là pour éclaircir la lanterne des personnes intelligentes. Parce que quand on vient présenter des excuses, et quelques heures après, on vient sortir pour lâcher une petite bombe de mensonges, il faut venir éclaircir ça. Je vais voir en commentaire la reine Poutine. Axel Meril, est-ce la famille Makosso qui t'a appelé de venir faire un buzz? Non. Vu que c'est non, alors pourquoi venir sur le live d'une fille qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui n'a pas besoin de toi pour être star? Si on met le général Camille Makosso, on te met le général est plus connu que toi. Le général Camille Makosso, partout dans le monde entier, tout le monde le connaît. Donc, dès à présent qu'on sait que Kimi est la fille du général Camille Makosso, elle devient star. On est tous stars dans notre famille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu quittes avec tes longs pieds pour arriver derrière une jeune fille, mais tu savais à quoi venir, tu savais ce que tu venais chercher, personne ne t'a dit « Viens derrière Kimi ». En fait, ne fais pas croire aux gens que tu ne savais pas ce que tu venais faire derrière Kimi. En fait, tu étais une personne qui était venue télécharger pour venir détruire la famille Makosso. Mais tu pensais réussir. Mais Lolo Boté est là pour te freiner dans ton élan. La question que j'ai à te poser, personne ne t'a dit de venir derrière enfant de quelqu'un. Toi seul, tu te lèves, tu dis que tu es amoureux de Kimi. Tu arrives derrière elle et tu mets une machination en place. Que ce qu'on appelle enregistrer une personne pour garder des preuves. On appelle ça préméditation de meurtre. Parce que il y a une, comment on appelle, il y a un laps de temps entre une préméditation et puis être sur les faits accomplis. En fait, tu as prémédité tout ce qui se passe là. Tu l'as prémédité. Parce que quand tu dis aux gens que oui, heureusement que j'ai été intelligent pour récolter des preuves. Mais on ne va pas derrière une petite fille de 19 ans pour aller récolter des preuves. Axel, tu es allé derrière Kimi pour faire un buzz ou bien tu es allé derrière Kimi pour récolter des preuves. Tu es en train de te vendre tranquillement, tranquille sans t'en rendre compte. Parce qu'une personne qui arrive derrière une femme, elle dit, je vais derrière cette femme, mais je vais faire attention pour récolter des preuves. Étant donné que la personne en face n'est pas armée, tu ne rentres pas dans la maison de quelqu'un en ayant une arme à ton... C'est-à-dire, toi, tu as caché Digba Machette dans ton Mouba. Et puis, personne ne t'a appelé, tu arrives toi-même. Et puis, tu dis que tu t'es préparé avant de venir. Axel Meril, façon tu es venu avec beaucoup de bruit, tu as prémédité. Tu es venu pour faire un travail, mais tu n'as pas pu achever ton travail. C'est ça qui est la vérité. Tu es venu pour faire un chantage à Kimi. Parce que je vous dis comment les maîtres chanteurs opèrent. Les maîtres chanteurs, là, quand ils arrivent derrière une femme, il sait que quand il y a une dispute, c'est la femme, parce que l'Africain est bête. L'Africain est toujours celui-là qui jette les femmes à la verdict populaire. Tu arrives derrière une femme, c'est-à-dire, tu es déjà le sexe fort. Kimi est sexe faible. Tu es un serpent. Tu arrives derrière Kimi. Elle n'est pas armée. Et tu dis que je viens derrière une femme. Mais je me prépare, je viens l'enregistrer parce que demain, on ne sait jamais. C'est-à-dire que ta base même est déjà fautive. Tu es un petit sorcier.
C'est la sorcellerie que tu as fait, mon petit. Mais Tata Lolo Beauté est venu démasquer ça. Parce que personne, au moins, si c'était le général qui t'avait dit, Axel, viens faire un buzz avec ma fille. Dans ce cas contraire, tu avais raison de venir récolter des preuves. Parce qu'avec la famille Makosso, on ne sait jamais. Alors, dès lors que ce n'est pas la famille Makosso qui allait te chercher pour venir derrière leur fille, et que c'est toi-même qui t'es levé avec tes longs pieds pour venir derrière, alors pourquoi tu viens avec l'intention de récolter des preuves? Cela veut dire que tu savais que le jour là allait arriver où tu allais jeter à la verdict populaire. En fait, tu as prémédité tout ce qui arrive. Tu as calculé. Tu t'es dit que quoi? Il faut que je détruise la famille Makosso. Donc, je vais rentrer dans leur famille. Je vais récolter des preuves. Et demain, je vais utiliser ces preuves-là contre Kimi pour essayer de la détruire. Parce que c'est vrai. Papa na longue longue. Tu as plus d'abonnés que Kimi. Mais Kimi est plus star que toi. La star mania, ça se voit par le nombre de vues. Tu te mets en direct. Kimi se met en direct. Elle a plus de vues que toi. C'est ça qu'on appelle la popularité. T'as capté ou pas? Tema a plus de millions de vues que tout le monde. Mais quand il se met en direct, il n'a pas les abonnés qui viennent en direct. Tema est le best des best. Il a plus de millions d'abonnés que tout le monde. Mais quand il se met en direct, il n'a pas le nombre de personnes connectées comme Kimi, qui a moins d'abonnés. C'est ça qu'on appelle la popularité. Tu t'es mis en direct, tu as eu 11 000 personnes en live. Kimi s'est mis en direct, elle a eu 27 000 personnes en live. C'est-à-dire que tu t'es approché de Kimi pour avoir la popularité en live pour que les gens viennent te mettre des cadeaux. C'est tout. Mais mon petit, on ne peut pas être aussi serpent que ça. C'est-à-dire, tu es un serpent à deux têtes. Voilà pourquoi dans la vie, souvent, il faut garder le silence. À 34, oui, hier. Yeah. Dans la vie, il faut apprendre à garder le silence. Quand les personnes sont en train de parler, comme Lolo Beauté, et que tu décides de ne pas parler, alors ferme ta gueule jusqu'à la fin. Parce que plus tu l'ouvres, plus tu dévoiles tes secrets. Je te pose la question. Au lieu d'aller poser question à Kimi, qui est ta petite sœur, jusqu'à Las Caras, c'est-à-dire, si Kimi était de ta famille, il y avait au moins 4 personnes entre toi et Kimi. C'est ta petite sœur jusqu'en dernier degré. Alors, Axel Meryl, quand tu dis dans ton live que heureusement que j'ai récolté des preuves, sinon j'allais être fou. Mais tu es parti derrière une petite fille de 19 ans. Tu t'en as dit, regarde ta démarche. Tu te lèves chez toi à la maison. Tu t'en vas derrière une jeune fille. Et puis, tu es armé. C'est-à-dire que tes intentions sont machiavéliques. Cela veut dire que tes intentions sont très dangereuses. Cela veut dire que tu es un manipulateur et un maître chanteur. Parce que le maître chanteur, c'est celui-là qui arrive derrière une proie. Il regarde la proie. Il dit, pour mieux manipuler la proie, il faut que je récolte des preuves contre elle. Quand je vais récolter beaucoup de preuves, cette personne n'aura pas le courage de venir parler demain. Parce que cette personne saura que j'ai des preuves contre elle qui seront capitales, donc elle serait obligée de fermer sa gueule. Hier, j'ai essayé de te défendre un peu. Mais je me rends compte que c'est vrai. La machination que vous avez mise en place, toi avec papa Mera, ce délinquant de grand chemin, mais c'était ça. C'était ça. C'était que ça. Excusez-moi. C'était que ça.
attention. Quand papa Nema envoie un message à Kimi, elle lui dit que je suis honnêtement déçu de tout ce qui se passe sur la toile. Tu as des audios 7. En fait, c'est vrai que papa Nema et maman Mera, et toi-même Axel, vous envoyez des audios à Kimi. Mais ce n'est pas des audios qui peuvent vous compromettre. Parce que Kimi, dans sa tête, elle s'est dit, j'ai affaire à des personnes qui m'aiment réellement. J'ai affaire à des personnes qui ne me veulent pas du mal. J'ai affaire à des personnes où je peux parler librement. Je sais que ces personnes ne me voudront pas du mal. Mais lorsque papa Mira lui dit, mais ce que Axel nous a fait écouter, lorsque toi et lui étiez à deux reprises de la chambre est plus grave. Axel Meryl, tu es un manipulateur et un usurpateur. Ça, c'est être criminel. C'est-à-dire, la fille est avec toi, elle cause avec toi. Tu prends un deuxième téléphone, tu caches comme un voleur. Tu enregistres la fille et puis tu envoies à papa Mera et à maman Nema dans le but de faire quoi? C'est ça la vraie question que nous on a à te poser. Ce n'est pas pour venir dire, excusez-moi, c'est ça la vraie question. Parce que papa Mera, il sait que Kimi a quelques petits audios. Kimi m'a jamais envoyé des audios. La seule fois où Kimi m'a transféré un message, c'était ce message-là. C'est ce message-là parce que la petite était oppressée. Elle me dit, tata, voilà ce que papa Mera vient de m'envoyer. Mais tu ne peux pas aller menacer une petite fille pour lui dire que fais attention. Parce que où est la menace dans le message? Je vais vous le dire. Pour ceux qui sont allés à l'école comprendront. La menace est que Kimi, fais attention. Si tu envoies nos audios à ta tante Lolo Beauté, sache qu'on a des audios plus graves de toi. Qu'on est capable de venir jouer. Parce que quand tu étais dans la chambre avec Axel, tu lui faisais confiance. Donc tu t'es libéré. Et tu lui as dit quelques petits secrets. Mais le jeune homme, comme il a un esprit machiavélique, automatiquement, il a enregistré une personne, même sans son consentement, et l'utiliser sur les réseaux sociaux est passif de peine pénale. Voilà pourquoi moi, j'ai dit à Axel, pendant le brunch, vu que j'ai vu ses intentions machiavéliques, je l'ai enregistré, oui, mais parce que je voulais faire écouter au général. Pour lui dire, mais est-ce que tu connais l'intention de ce jeune homme-là? Et je ne suis pas aussi bête comme papa Mera pour essayer de venir jouer ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu, alors que au brunch, tata Lolo Beauté, le Seigneur lui a dit, attention, l'enfant n'est pas clair. Alors que depuis des mois et des mois, Axel et ses parents passaient leur temps enregistré Kimi pour essayer de la faire chanter. Alors moi maintenant je te pose la question. Personne ne t'a demandé de venir derrière Kimi. Tu t'es levé pour venir derrière Kimi. Maintenant le but de tes enregistrements, c'était lequel exactement? Si tu n'es pas un serpent, le but de venir enregistrer Kimi, le but de venir être cause, tu l'enregistres. Et puis tu envoies à papa Mera et à maman Nema. Le but c'était pour lequel? Je sors pour venir parler aujourd'hui. Parce que votre très cher Axel est sorti hier. Nuit pour venir aussi parler. Lui il sort, je sors. Il s'éteint, il y a la paix. C'est de ça qu'il s'agit. S'il n'était pas venu menacer ma nièce en live, j'allais jamais venir sortir sur lui. Alors, on est dans un dialogue de titans. Quand les éléphants sont en train de se parler là, les moustiques là, c'est les rentemplants. Eux, ils vont venir parler plus tard. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez fermer ma bouche par rapport à quoi?
Alors, très cher Axel Méry, moi, Lolo Boté te pose la question. Ne viens pas nous dire que je l'ai enregistré, j'ai récolté des preuves parce que je me suis dit que demain, tout allait se gâter. On appelle ça de la manipulation. On appelle ça de la préméditation. Au fait, tu as prémédité tout ce qui devait arriver là. Voilà pourquoi tu es rentré en colère rapidement contre Kimi. Parce que tu voulais te débarrasser d'elle avec beaucoup de bruit. Quelque chose qui allait faire encore le buzz. Et tu allais venir nous représenter une fille. Mais tu n'as pas calculé que Tata Lolo Boté était plus intelligente que toi. Elle allait sortir pour démanteler tout ce que tu es en train de faire là. Quand Papa Mera envoie un message à Kimi, elle lui dit, on a tes enregistrements. C'est une menace. Le Boté qui dit j'ai enregistré Axel Kimi. Mais venez moi m'écrire puisque vous connaissez mon numéro. Venez moi me menacer. C'est pas vous enregistrer. C'est moi. Vous avez affaire à Lolo Boté. Mais adressez-vous directement à Lolo Boté. Pourquoi vous partez sur le même faible pour essayer de disculper Kimi? Mais vous vous foutez le doigt là où je pense. Pour éclairer la lanterne des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Et la capture. Je ne vais pas sur toi, Papa Mera, pour l'instant. Parce que cette affaire peut se traduire jusqu'en justice. Je ne mets que la retransmission. Sinon, tes captures sont là. Je ne peux pas venir dire que c'est faux parce que c'est la vérité. Tant que la reine Poutine des réseaux sociaux sera là. Il y aura toujours un éclaircissement des ombres sombres. C'est ça qui est la vérité. Tu sors hier pour dire, Kimi, est-ce que je n'ai pas été clair avec toi depuis le début? Arrête de mentir, petit. Tu n'as jamais été clair depuis le début. Tu es venu lui dire, lorsque le clip devait sortir, que toi, tu étais pour parler, tu étais en relation avec une fille. Et Papa, Mère et Maman Ney m'ont fait le travail en bas pour dire que non, il n'est pas en relation. Donc, tu peux espérer. Voilà le réseau qui a été démantelé. Donc, arrête. Donc, arrête. Arrête de vouloir venir te jouer au sein. Arrête de vouloir dire que Kimi est connu par rapport à toi. Tu as plus d'abonnés que elle, certes, mais elle est plus populaire que toi. Ça, il faut mettre ça dans ta tête. T'as capté ou pas? Tu veux qu'il y ait la paix? Il y aura la paix. Si et seulement si tu fermes ta gueule. Si on dit qui a dit, c'est Lolo Boté. Parce que tu sors, je sors. C'est de ça qu'il s'agit. T'as capté ou pas? Je ne t'ai jamais sorti derrière ta vie. C'est lorsque tu es venu menacer Kimi en lui disant que si tu veux te jouer aux filles parfaites, tu vas te mordre les doigts. Tu n'es personne pour venir me donner des conseils. Ça ne se dit pas. Voilà pourquoi je suis sorti derrière toi pour te dire petit, voilà un cocotte là-bas. Crois, calme-toi rapidement. Parce que ça ne badine pas avec moi. Si je voulais sortir ta vie et que je te détestais autant, le jour du brunch de Kimi, le lendemain, je sortais sur toi. Parce que tout, c'est-à-dire l'atmosphère était favorable à mon encontre. Parce que après le brunch de Kimi, là, plus personne ne voulait te sentir. Après le brunch de Kimi, tous les gens sont sortis pour dire, celui-là c'est un malfrat, Axel là, il n'est pas bon, c'est un manipulateur, il est en train d'utiliser Kimi. Tout le monde commençait à t'allumer. Je pouvais venir m'asseoir. Si j'étais une calculatrice comme toi, si j'étais une manipulatrice comme toi, c'est à ce moment précis que j'allais sortir sur toi pour te livrer à la verdict populaire. Parce que ce jour, le lendemain là, si je sortais pour dire aux gens que Axel m'a dit qu'il était déjà en couple, les gens allaient t'allumer d'une manière. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti tout doucement. Essayer de calmer le jeu. Essayer de te défendre.
Que les gens puissent enlever leur game sur toi. Une personne qui a prémédité ta chute. Et puis je suis qui pour pouvoir même te voir chuter? Tu as ton étoile, tu as tes abonnés, tu as tes fans. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis personne. Sur les réseaux sociaux, la personne ne peut éteindre son ami. Jamais. Mais quand quelqu'un ne fait pas les bonnes choses, il faut lui dire. Et tu as été un manipulateur gros grain. Tu as été un manipulateur gros grain. C'est ça qui est la vérité. Tu dis que tu veux faire la paix. Moi, Lolo Beauté, je suis pour la paix. Mais quand tu veux faire la paix, ne viens pas faire comme souris musaraigne. Parce que ton direct d'hier, là, tu as le visage d'une souricette. Parce que toi-même, là, c'est famelette, tu es princesse. Tu es sortie comme une souricette enceinte de surcroît. En train de dire, oui, non, ne vous inquiétez pas, on est dans la paix. Moi aussi, je dis à mes abonnés, pourquoi vous êtes agressifs? Non, ne vous inquiétez pas. Axel et nous, on a fait la paix. On est en train de se chatouiller. Sinon, qu'on a fait la paix, on n'est plus en palabre. C'est fini. On a fait la paix, c'est fini. Mais la question maintenant que j'ai à lui poser, pourquoi venir derrière Kimi de ton propre gré et venir l'enregistrer pour récolter des preuves? C'est une question simple. Tranquille. C'est une question simple. Alors, réponse droite. Si tu savais que la famille Makosso était aussi mauvaise que ça, parce que dans tes dits, tu vas venir me sortir que non, je savais à quelle famille. Mais est-ce que tu étais obligé de partir là-bas? Personne n'était obligé d'aller dans la famille Makosso. Tu es parti parce que tu avais tes projets. Tu es parti parce que tu savais ce que tu partais chercher là. Parce qu'une personne qui rentre dans une forêt interdite, il sait ce qu'il s'en cherchait dans la forêt interdite. C'est ça qui est la vérité, petit. Tu veux la paix? Je suis prête à faire la paix avec toi. Mais quand tu es dans l'élan de faire la paix, ne viens pas poser question à qui que ce soit. Tu as vu comment Kimi t'a fait vu et ignoré parce que tu n'es personne, tu n'es rien. Elle t'a fait vu et ignoré. Tu avais des intentions machiavéliques dès depuis le début. Tu venais dans la famille Makosso dans le but de les détruire. Mais tu as oublié qu'il y a une personne du nom du général Camille Makosso qui est un homme extrêmement dangereux. Un homme de Dieu extrêmement dangereux. Avec toutes tes potions, tu es vieux longo. Tu as échoué dans ta mission. Change de marabout si tu en as. Change de prière si tu en fais. Change de pasteur si tu en as. C'est une question. Parce que tu es tombé là où c'est un terrain glissant. Oui, j'ai eu la chance. Ouf! Heureusement que j'ai récolté des preuves. Mais tu étais en guerre avec qui? La famille Makosso t'a une fois fait du mal. Depuis que tu es venu derrière Kimi, on t'a une fois fait du mal. Le général Camille Makosso t'a ouvert les bras. Grand ouvert. C'est-à-dire où le général Camille Makosso te faisait à tout. Tu avais un poignard prêt à le poignarder dans le dos. Il y a une image qui se promet sur où il y a deux personnes qui ont un poignard. C'est toi, Axel Meryl. Parce que tes intentions dès depuis le début étaient machiavéliques, étaient suspects, étaient très dangereux. Je pourrais dire même démoniaques. C'est ça tes véritables intentions. Et sache que tant que tu fermeras ta gueule, Lolo Beauté va te respecter. Mais tant que tu l'ouvriras mensonge, je viendrai te dire que tu es en train de mentir. Tu es un maître chanteur. C'est maintenant que je comprends. Pourquoi au Cameroun, là-bas, elle a fermé sa gueule? Parce que tu es arrivé vers elle. Et tu as récolté beaucoup d'informations. Voilà pourquoi elle a très vite fermé sa gueule. Quand tu parles, elle dit oui. Elle, lui, c'est un saint. Pourtant, au début de votre séparation,
séparation, elle ne disait pas que tu étais un signe. Mais parce qu'elle savait que tu avais les preuves contre elle. Donc là où elle est là, elle est déjà Saraka. Elle ne peut pas parler, sinon ils vont balancer toutes ses preuves. Mais avec nous, la famille Makoso, on ne se taira pas. En tout cas, bon le beauté. Parce que là où on dit à menace, c'est là même que je deviens plus violente. La preuve, quand les gens ont dit le beauté va tomber tout, je les ai fait sa propre zokaïkaï. Aujourd'hui, me voilà sur les réseaux sociaux. Personne ne peut faire quelque chose et personne ne me ferait. T'as capté ou pas? Tes intentions étaient machiavéliques. Donc arrête de te jouer au sein. Maintenant, papa Mera et maman Nema qui ont disparu des radars. C'est lâchetons là. Vous, vous devez toujours vous tenir à carreau. Hein? Parce que vous là, votre affaire n'est pas encore finie. Voilà un Congolais rejeté de la tribu du Congo. Un Congolais rejeté de la tribu. Non, vous savez, moi, nous et puis Axel, c'est la paix, on a fini, on est en paix. Mon bébé Axel Loulou, je te fais un bisou. Voilà, c'est la paix, c'est fini. Voilà. Moi, c'est fini. Mais quand tu mets un point, moi, je mets virgule. C'est moi qui la télécommande. C'est de ça qu'il s'agit. Les deux malfrats de papa Mera.